Bonjour! La caméra la plus incroyable au monde a été conçue tout récemment par une équipe du Caltech. Je vais essayer de vous expliquer comment elle marche et ensuite ce qu'elle est capable de filmer. Alors d'abord, ses performances. Elle est capable de filmer à 100 milliards d'images par seconde en 3 dimensions. Alors pour filmer en 3 dimensions, c'est facile, elle fait comme nous. Elle utilise en fait deux yeux, deux caméras, qui vont filmer de deux angles un peu différents pour reconstituer la profondeur. Mais le vrai challenge, c'est les 100 milliards d'images par seconde. Et alors pour faire ça, voilà comment ça marche. Quand l'image arrive sur le capteur de la caméra, elle est en fait transformée en électrons. Ça, c'est ce que font nos appareils photo d'habitude. Et ensuite, on met une petite tension électrique pour faire monter l'image vers le haut. Donc elle arrive en haut du capteur. Et puis l'image suivante qui arrive juste après, on change la tension électrique pour la faire arriver un peu plus bas. Et puis la suivante un peu plus bas. Et puis un peu plus bas. Donc vous avez une collection de 300 images comme ça verticalement, que ensuite vous allez décoder les unes par rapport aux autres, assembler et fabriquer un stop motion. Et on sait faire 100 milliards d'images par seconde parce qu'on sait faire varier très très vite cette tension électrique et envoyer très très vite les images aux différents endroits. Et alors maintenant, je vous montre ce qu'elle est capable de filmer cette caméra. Attention, regardez, c'est ça. Vous êtes en train de voir une petite tache lumineuse. En fait, c'est de la lumière filmée en direct, avançant à 300 000 km par seconde. Et vous la voyez rebondir sur un miroir, puis sur un deuxième miroir, puis revenir. Autrement dit, vous la filmez en 3 dimensions. Donc ce film tout pourri, c'est probablement ce que l'être humain ait filmé de plus incroyable de l'histoire. Bonne journée!